Till I can't hear that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough. I don't wanna feel the stuck under the rug. Oh God, on my pillow. Open, open, open. Ouh la team, match de basket avec bagarre générale. Et comme vous le savez, je ne vous cache rien sur cette chaîne YouTube et je vous dis tout, même si parfois tout vous dire c'est compliqué pour moi. Mais on le fait quand même car l'unique but de cette chaîne, c'est de progresser ensemble. Et pour ça, faut commencer par accepter ses propres erreurs et savoir se remettre en question tout le temps. Sur ses propres vidéos d'ailleurs. On est tout simplement là sur une vidéo vlog où on va tout simplement vous montrer la préparation d'avant-match et également le derby, ce match-là où vous risquez d'être surpris pour la plupart. Des images uniques et que je t'invite surtout à rester jusqu'à la fin pour ne rien louper. Oublie pas de t'abonner, de liker et let's go. Vlog contre Salin, les gars, c'est le derby de malade, de fou malade. Les gars, ça c'est bon, ça c'est très bien. Là, on est vendredi. Comme vous savez, ben là, on va aller se faire un petit peu de shoot, un peu de shooting, d'accord, prendre un petit peu de sensation, surtout des lancers francs, surtout. Voilà, parce que vous n'oubliez pas que l'objectif c'est dunk dans sa tête, dunk, 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 dunk pour attaquer. Donc forcément, ça va créer des fautes et va falloir assumer sur ces lancers francs, tout simplement. Donc voilà, là, je suis juste pressé, les frérots, de faire ce match-là. Voilà pourquoi, parce que c'est un derby. Et un derby, bah, y a toute l'excitation du public. Et puis voilà, nous derrière, bon, on se préparera pareil que les autres matchs. On restera aussi sérieux. Et ça changera au final pas grand chose. Juste battre un peu plus. Donc là, let's go, on shoot un peu. En place. Allez, t'as fait voir. En fait, j'ai besoin de faire des lancers. À 16h20, je me coupe les cheveux, donc toi tu te coupes. Tu veux que je te coupe ça, pour ce week-end? Ah, c'est ça, on va rater quelque chose, les gars. Oh, j'étais le voleur, c'est pour ça que moi j'aimais pas meneur à cause de ça, t'es essoufflé trop vite. Il y en a un, il te met la pression défensive, ça y est. Comme Samy là, qui prend le terrain. Oh là. Allez, vous avez sûr que. Elle est noire. Niwo. Oh, mais gars. Oh là. Tu restes planté. Là, ça va crocher. Non, mais tu sais ce qu'il faudrait leur dire au basket? Non. Samedi, quand ils mettent en place, ou vendredi soir, c'est de penser un coup d'eau, c'est d'or. Ouais, il dégueulasse. Dirais pas comme ça. Hein. Peut-être que tu devrais filmer. Regarde. T'as vu l'eau comme elle est? Ah ouais. T'as vu? Tu vois, ça, c'est un bon achat, ça. Toi? Tu vois un peu, on dirait pas, hein. Quand tu vois le parquet, on dirait pas qu'il est crade comme ça. Hein. Allez, il est crade. C'est un bon achat, ça. Ouais. Waouh, c'est bon. Voilà, voilà, enfoiré. Ouais. Oh là là, le digital. Le digital. Ce qu'on a maintenant. Allez, ça là, il a dit. Je vais autant vous prévenir tout de suite. Dis-moi. À perdre samedi, je nettoie plus jamais le parquet. Tiens. Oh là là, non. J'ai bien compris. Ah, il nous met la pression. Voilà les chefs. Oh, ça. Les gars. Les affaires des loulous. Voilà. Et puis voilà, on les a lavés et puis là on les a vraiment des mini baskets. Et puis après on a le match de DUKAS. Yeah, regarde là qui a cassé ça là-haut. Là on dépose les. Ah bah là ça n'a rien à faire là ça. Non mais oh. Dis
Dido, range ça n'importe comment. Là, ça c'est pour mes loulous. Pour mes U11. Voilà. Donc là, oui, les gars, là il y a l'école de mini-basket. Ensuite, une fois qu'on a fait l'école de mini-basket, qu'on a fait des petits jours, on va s'amuser avec eux. On va préparer le matos. Là, on est venu avant. Ensuite, on a les U15. Il y a un match des U15 contre une équipe par ici. Et puis après, bah, il y a mon match. Donc ça fait beaucoup. Mais bon, il faut aller boire de l'eau beaucoup. Hein, là, ce matin, j'ai fait des étirements. J'ai fait étirements, j'ai bien mangé. Hier, j'ai bu mon eau, j'ai bu mes 1,5 litre, voire plus. Donc ça, c'est cool, c'est positif. Aujourd'hui, il faut continuer de boire son eau. Et puis voilà, tout simplement, bien manger aussi à midi. Aller chercher tout ce qui est un peu méditation. Avoir en tête qu'il faut dunker et rien d'autre. Parce qu'on sait que sinon, on est plus acteur à regarder, attendre que ça se fait. Comme c'est des gros matchs, bah, forcément, on ne sort pas les doigts des... T'as compris? Donc non, tu y vas, tu dunks dans ta tête. C'est ton seul objectif. Arracher, défoncer l'arceau. Parce que t'as beau dunker, faire des programmes wall, si dans ta tête t'es pas formaté à te dire il faut dunker, c'est problématique. Tu vas pas réussir forcément et tu vas dunker qu'à l'échauffement et c'est pas le but. Donc voilà, on se formate les gars. De toute façon, c'est toute la semaine que je me formate depuis la dernière fois, un match qu'on avait fait contre Momoro. Donc là, voilà, on perd pas ça en tête, on y va à fond et on prépare le matos là. Alors il me faut un petit peu de chasuble. Il me faudra un petit peu de chasuble. Bon, on va prévoir au moins tout ça, une dizaine. Hein. Hop. Voilà, un petit peu de chasuble jaune, parce que rouge et jaune, j'aime bien. Là, j'avais prévu ça. Ça, il faut le prendre, parce que sinon, ils vont... Hop. Voilà, les cerceaux. T'invite de faire des allers-retours. Qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'il me fallait déjà? Il me fallait des petites coupelles. Voilà. On les... Je prends beaucoup de choses comme ça pour marquer un petit peu sur le terrain. Oh. Pour marquer un petit peu sur le terrain pour qu'il ne soit pas perdu visuellement. On n'hésite pas à rajouter des plots et autres parce que moi, quand tu leur dis mettez-vous derrière le plot rouge, comme c'est des enfants qui ont 4 ans, 5 ans, 6 ans, au moins ils ne sont pas perdus. Voilà. Voilà. Et puis là, on va préparer une bonne petite séance. Allez. C'est bon. Oh, hier, Ricardo, il a lavé le sol, les gars, avec une machine. Là, il n'y a pas d'excuse. Là, c'est-à-dire que là, tu crosses, ta chaussure, elle reste sur place, quoi. Bon, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Je vais en dégager bas comme c'est bien les faire. D'accord. Ouais, tu lui as dit que t'es un coiffeur, ouais. Non. Là, je vais faire un... Là, je vais faire un trait. Voilà. Et puis voilà, ça ira. Surtout que ça, faut que tu m'enlèves là. J'ai des poils de... Mm. Des poils qui poussent. On va enlever, t'inquiète. Allez, c'est parti. Sors de ma petite méditation, c'est pour ça que j'ai un pâté dans les fesses. T'es prêt pour ton match de sort? Oui. C'est bon? On va te donner, voilà. Tu vas te réveiller? Oui, moi, je fais une sieste. Oh là là, tout le monde. Bon, la famille, là, c'est match. Là, je viens de me garer. Je viens de me garer. Là, on est bien arrivé. Voilà. On va se mettre dedans, on va se mettre dans le match. Comme je vous ai dit, bon, là, j'ai coupé les cheveux à Hugo. Ça, c'est cool. Voilà, ça m'a détendu un petit peu. Mais là, voilà, focus, les gars. C'est derby. La salle va être remplie. Je vais vous montrer ça. On va passer à l'intérieur. Ça va être la dinguerie. On va se préparer surtout la mobilité, l'étirement dynamique. Et il n'y a pas de secret. Mais en tout cas, ça va faire plaisir. Là, il faut être focus dans sa tête. Je viens de regarder encore des vidéos dunk, 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 dunk et dunk. Et encore dunk. Et il n'y a que comme ça qu'on va aller à l'arceau beaucoup plus fort. Pas de perte de balles. Puis dunker, pourquoi pas. Let's go. Like a game I'm playing, straight to the bank to collect my payments.
No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. Donc là, sans plus attendre, on met play. Donc attaque, il y a 0-0. On donne la balle à notre grand bas pour le numéro 12 qui marque. Donc ça, c'est bien. On ouvre le score. Derrière, bon, ils remettent à 2 points, à 3 points, ce qui sont à 5. Là, il y a un shoot. Donc ça permet de rééquilibrer sur 5. Donc ça, c'est cool. Là, tout simplement, c'est couper la ligne de passe, défense, voilà. Bon, ça, c'est bon qu'on a vu, là, j'attaque fort. Un move que j'ai jamais fait, mais on sait pas si ça rentre, par chance. Ça aurait été stylé. Bon, c'est pas rentré. Là, hop, pareil. Je vois qu'il y a un, ça referme, ils sont deux, donc on relâche. Et puis, derrière, on a Dejan qui met. Donc ça, c'est cool. La faute. Donc, je crois qu'il fait faute off, là, pour cette fois. Heureux. Enfin, j'étais content parce que tu vas voir après que c'était pas la même. Là, défense. Là, je vois qu'il va couper derrière. Donc, hop, j'hésite pas à couper. Je vais un aide, mais en fait, j'oublie. Donc, faire attention. Ça, bah, vite remonter, courir et emmener vers la ligne de fond et pas revenir tout droit quand tu reviens en défense. Là, j'attaque fort, on voit qu'il pousse, ce qui me permet d'avoir une faute. Derrière, on se démarque pour avoir le ballon. J'ai le ballon, je fais semblant d'attaquer dans l'axe, j'arrive à passer baseline, donc ça c'est cool. Permet de marquer, on voit les encouragements qui font plaisir. Ici, on défend voilà, tout terrain, on arrive à avoir une ligne de passe. Là, son coude, la feuille pétée. Donc voilà, c'est pas la faute de Salin, mais voilà. Ouais, quand tu te jettes comme ça pour le ballon, waouh, son coup de là, il est pas passé loin, les gars. Il a eu mal, bon, après il s'en remet, vous allez voir. Mais bon, voilà. On a eu le même truc avec une cheville il y a pas si longtemps. Enfin bref, là, hop, petit cross avec limite une petite faute. On voit lâcher le ballon à l'opposé, ça c'est cool. Il marque dedans sur les trois points. Hop, ici on vient défendre directement, on perd pas de temps, hein. Voilà, là hop, attaque, on voit qu'il met sa main, hein, ça, donc c'est pour ça qu'il me siffle une faute pour ça. Et ici, donc malheureusement, j'ai pas mis mes lancers, mais derrière, regarde bien, je suis à l'opposé tout seul. Lui, il arrive sur moi, on dégaine un shoot, ça fait plaisir, et boum, voilà, en plus, t'as le public derrière qui m'applaudit, qui encourage, donc ça, c'est cool, il y a les loulous, quoi. Ah, ça c'est cool. Ici défense forte, hop, il peut rien faire. Il lâche son ballon du coup, donc ça c'est cool. Ici j'attaque, ah, faute off là par contre de ma part. Donc je le relève, je m'excuse pour mes gars, ce que j'aurais dû lâcher peut-être plus tôt. Et on repart, on se prend pas la tête. Attaque, baseline ça coupe. Derrière, boum. Alors soit bas, soit faute. En tout cas là on a réussi à avoir une faute, donc ça c'est cool. Et il met son lancer. Ici, boum, il arrive. C'est une défense assez brute. Là, vraiment. Hop, ici, on lui donne quand même. Il arrive à avoir le ballon. Il se dégaine un shoot, c'est pas mis. Gros rebond de notre Joe. Voilà, là on avait besoin de ces rebonds-là. Il est présent, il répond présent. Derrière, un shoot de notre... Eh ouais, c'est pas mis, mais il reprend un rebond encore. Il n'y a rien à faire. Il redonne derrière. Dommage, il perd le ballon, notre Dejan. Et voilà, dommage. En tout cas, c'était bien joué. Ici, il y a le shoot. On essaie de reprendre le rebond. Il renvoie le ballon. Enfin, je vous ai tout mis, quoi. Ici, shoot, hop, c'est mis, donc tant mieux, c'est notre Kevin qui a mis, qui a été plutôt bien adroit sur ce match-là. Là, il prend le ballon, on essaye de couper, on arrive à avoir le ballon avec notre Ludo. J'attaque fort, je vois l'opposé, je relâche encore, on va pour le rebond tous ensemble. Là, notre Dejan est bien costaud, il essaye d'avoir une faute, mais il n'y a rien du tout. Bon, c'est pas grave, d'habitude, il aurait parlé 8 ans, là, il n'a pas parlé. C'est une des forces qu'il a eu sur ce match, je trouve. Ici, hop, on attaque, on relâche son ballon, il attaque, boum, et là, cette fois-ci, il a la faute. Voilà, là, il est content, il l'a, c'est cool, il met son lancer. Ouais, mais pas les deux, je crois, en plus, mais bon. Là, j'attaque fort, il défend dans la raquette, donc forcément, les gars, voilà, on se prend pas la tête. Je l'aurais pas mis, je m'en moque, tu vois, je me prends pas la tête, je suis content quand même, mais voilà, sans plus, fallait sanctionner. Ici, il y a les deux qui tombent, et regarde, qui commence quoi, les gars, qui commence quoi. Juste regarde, je te mets le public, là, on est là, des fois, il me dit, oh merde, regarde ce qui se passe, quoi, ben non, quoi. Moi, j'étais perdu, tu vois, là, tu vois le public, tu vois, ah, c'est compliqué, t'as des gens du public qui viennent aider, enfin, qui viennent séparer plus qu'autre chose, en fait, parce qu'on veut pas ça, tu vois, on veut pas du tout ça. Et là, tu vois très bien, tu vois le public de Salin qui devient fou. Là, tu vois qu'il y en a un dirigeant qui va venir, qui va débarquer normalement. Mais regarde, c'est juste n'importe quoi. Et regarde comment ça s'est passé. Il y a une altercation. Il essaye de lui mettre un coup de boule. Notre joueur, il réagit pas. Ça sépare. T'as le 15 qui arrive, qui pousse notre Joe. Tu vas voir, c'est n'importe quoi. Il arrive, il pousse notre Joe comme ça. Il les écarte. Boum, et après, c'est le public de ça. Les gars de Salin qui arrivent. Boum, et qui pousse notre Joe et qui s'en prennent tous à notre Joe. Voilà, tout simplement.
Les gars, il n'y a pas de je sais pas quoi. Du coup, bah, nous, on essaye de venir pour séparer parce qu'on ne va pas faire la bagarre. Moi, j'étais en train de crier « Oh, il y a des enfants, il y a des enfants !» Rien à faire, ils s'en foutaient. Donc voilà, donc c'était assez compliqué. Donc là, il y a ceux du banc, il y en a qui se sont déplacés, qui ont pris des joueurs à nous pour les tirer. T'as même deux Salins quand même, parce qu'ils sont pas tous comme ça. T'en as de Salins qui sont arrivés, qui ont essayé de tirer leurs joueurs aussi également pour les enlever. Mais sauf que si t'es du banc, t'as pas le droit d'aller sur le terrain. C'est pour ça qu'il y a eu autant de personnes de virer. Donc tous ceux qui sont venus sur le terrain pour aider, ne serait-ce pour séparer, bah eux, bye bye en fait. Voilà. Donc il y en a, je connais un gars de Salins qui est arrivé, il a juste pris son arrivé, venir voir, pris son gars, revenir. Voilà. Disqualifiant. Tiré, hop là. Là, tu vois, j'ai mon Samy. Je l'ai tiré, sauvé d'affaire. Là, tu vas remarquer qu'il y a un truc assez chelou. D'ailleurs, c'est que ben, je te montrerai après. Là, tu vois, Nodiane qui parle avec, ce joueur-là. Je connais, je sais plus son prénom, mais en tout cas, voilà, il parle avec ce joueur-là pour le mettre à l'écart. T'en as de notre 15, là, qui heureusement, qui s'est pas déplacé, qui reste à la table, plus intelligent. En plus, c'est un ancien, il connaît un peu. Et puis, voilà. Voilà, c'était vraiment chaud. Après, il n'y a pas eu de coup de ouf. C'est une bagarre générale, c'est que voilà. Là, en tout cas, on voit très bien comment ça commence. On voit qui commence les choses là et qui s'enflamme très vite. Voilà, il n'y a pas de secret. On l'a en image. Maintenant, je ne vais pas mettre des vidéos où on voit les coups hautes parce que ça, c'est pas mon but. Mais c'est de vous montrer un peu les choses, comment ça a démarré. Voilà, ça, c'est important de vous montrer ça. Derrière, voilà, si vous avez cette situation-là et que vous êtes sur le banc, n'allez pas. Même si c'est compliqué, tu dis « je vais aider mon pote ». Mais non, mais c'est pas le but. C'est pas le but, surtout qu'il y a du monde comme ça. C'est une mauvaise image, tout ça. Donc voilà, essaye de, si tu es sur le terrain, toi, de tirer ton gars, éviter cette bagarre. Enfin, tu vas voir, c'est hallucinant. Tu vois une personne en train d'étrangler notre Joe carrément. Donc il y avait tous les gens de ça là autour. Enfin, laisse tomber, quoi. C'était n'importe quoi. Et puis, ils essayaient de l'enlever et tout ça. Et puis, en fait, non, il l'étranglait. Et ce même joueur, tu vas voir, je te montrerai à la fin de la vidéo. Enfin, c'est assez surprenant, c'est assez drôle en fait. D'autant plus que tu verras après dans le public également, il y a des choses qui se sont passées, mais je vais te le montrer en vidéo, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas pour ça, on est sans filtre là dans cette vidéo, on est sans filtre et on y va clairement comme ça. Là, alors Hong Kong, let's go, on reprend, donc là c'est compliqué, on reprend comment? Bah, on est. Tout le monde se fait virer la plupart. Nous, ceux qui n'ont rien fait ou qui ont essayé de séparer, qui étaient sur le terrain, donc il y a qui? Il y a moi, Joe, Ludo, Dayan, et puis, je sais plus qui c'est l'autre. Kevin, tout simplement. Et puis les autres, ceux qui sont sortis du banc pour venir séparer, au revoir. Et puis ceux de Salins qui ont dû séparer, au revoir. Et puis ceux qui ont bagarré, il y en a qui sont restés. Il y en a qui sont restés, comme il y en a un, tu vas voir, celui qui étrangle, bah justement, lui, il est resté sur le terrain. Donc, pas compris, après, des erreurs, c'est humain, c'est pas grave. Mais voilà, donc lui, il est resté sur le terrain. Puis ça s'est joué du coup à 5 contre 4. Donc dans des matchs comme ça, je sais que moi, quand j'ai mes gamins et qu'il y a une équipe en face qui joue à 4, je vais enlever un gamin. Tu vois, c'est comme ça et je trouve que c'est mieux. Mais là, dans un niveau en fait national, eh ben, je pense que la table du staff avait demandé justement aux officiels et je crois que c'était pas possible. Donc voilà. Donc voilà, 5 contre 4, mais je peux te dire que c'est galère. 5 contre 4, c'est encore plus galère. Je n'arrivais même pas à jouer. Enfin, tu vas voir, c'était compliqué de jouer à 5 contre 4. Et je vais te montrer là. Donc là, go play. Ici, donc on joue. Donc là, 5 contre 4. C'est assez compliqué. Donc voilà, là, il marque notre serbe. On va reprendre quand même voilà, le débriefing. Ici, on arrive, on reprend le ballon. Tu vois, donc deuxième carton, c'est assez compliqué. Je vais chercher. Et là, hop, offensif. Donc là, je le ramasse. Hein, je vais pas. Excuse-moi quand même. Voilà, je comprends pas au début. Je dis offensif sur ça, j'ai jamais eu. Donc voilà, après, je me remets en question. Là, on lâche le ballon. Boum, hop. Et on arrive à avoir une faute, donc ça c'est cool, faute pour ça, voilà, ici on attaque, là pareil, je vais chercher, j'essaye d'être délicat et chercher sur le côté, je me dis oh bon il va pas siffler faute, on va retenter après, enfin tu verras, là on prend le ballon, petite contre-attaque, ça fait plaisir pour régaler le public, oh le dunk oh, les gars quand même, bon, pas se vanter non plus, mais bon, parce que là 4 c'est compliqué pour eux pour faire pour replier défensivement, mais on est content quand même, peu importe. Voilà, ici on relâche le ballon, on attaque, ça met dedans, très bien. Ici on relâche quand même, voilà. Donc là ils défendaient en losange, donc ça c'est enfin losange, ouais, je sais pas si on peut dire ça, c'était la seule façon qu'ils pouvaient, ils n'avaient pas à prendre un joueur. Et là hop, regarde, encore faute, je suis dégoûté, je comprends pas, je fais merde. Alors je me remets en question, je lui dis, attends, qu'est-ce que je fais? C'est le fait de quoi et tout. Et puis là, on m'explique un peu et tout. Alors du coup, je suis fou. Tu sais que
quand t'attaques, après t'attaques plus pareil, quoi. Tu dis merde, je peux plus rien faire. Enfin bref. Et surtout, quoi, vous devez pas faire trop de fautes, parce qu'on était que ça, qu'à tous les joueurs du banc, il y en avait plus. Donc là, voilà, là il shoot, on arrive à avoir ces rebonds là. Voilà, ici, au début on est perdu, hein. Au début on est perdu, on se dit c'est quoi ça. Il y a même le serbe qui dit mais c'est bizarre, en fait, je suis là, je suis tout seul. Du coup on shoot, mais c'est galère. Enfin, laisse tomber. Ici, hop, on lâche à l'opposé. Donc là, on lâche de loin. On va pas chercher le contact. Ici, je shoot parce que ça défend loin, mais je mets pas. Donc voilà. Voilà, c'est notre grand qui arrive à le ballon. Je donne le ballon là-haut. Boum, en retombant, sans faire exprès, il met un coup au 15. Donc notre Joe met un coup au 15. Puis du coup, l'autre, bah, ça l'énerve. Voilà, ça l'énerve. Il s'en reprend l'autre. Heureusement qu'il dit rien. Enfin, là, sur le terrain, t'as des joueurs qui, voilà, qui se prennent pas la tête. Et du coup, voilà, sans faire exprès, il leur met un coup dans la tête. Et du coup, tu le vois qui s'énerve. Il dit « Ah, ma tête oh !» Je sais pas comment il dit. Mais voilà, du coup, bandage pour lui. Voilà, après, t'as notre Kevin qui vient porter son bandeau pour lui mettre sur la tête. Enfin, voilà. Pour vous faire comprendre qu'en plus, tu vois, c'est des joueurs qu'il y en a qui se connaissent depuis longtemps. Donc finalement, que voilà, il y a rien, quoi. C'est pas... Enfin, tu verras à la fin. Ici, hop, il prend le ballon, ça défend loin. Donc il tire. Voilà, notre Kevin qui était à droite sur ça. Donc c'est lui, là, justement, qui devait faire cette partie-là, qui est très bon shoot. Là, on vient attaquer un petit peu comme ça. Petite création de shoot. On essayait de faire vivre le ballon, justement, pour pas provoquer des fautes, parce qu'il nous loupait pas, l'arbitre. Je peux te dire que là, l'arbitre, dès qu'il y avait un truc bizarre, ça sifflait. Hop, là, hop, heureusement, on arrive à avoir le rebond. Il retire direct, ça fait faute. Double coup de sifflet, attention. Mais là, du coup, voilà, c'est cool. L'autre, il vient quand même parler au cas où, si, je sais pas. Je sais pas de quoi il parle, mais en tout cas, voilà. Il y a eu la faute. Là, on fait vivre le ballon. Hein. On n'a jamais fait vivre le ballon autant. Bon, là, un peu moins, là. Sinon, c'est comme on vient de voir, mais je sais que les actions avant, voilà. On donne le ballon encore à notre Serbe. Donc, Dejan qui met dedans. Ça fait plaisir. Et là, regarde. Regarde, il s'en prend à notre Joe, ce qui est dégoûté d'avoir pris un coup dans la tête. Du coup, il arrive, il met un coup à Joe. Oh là là, mais c'est quoi ça? Du coup, voilà. Voilà. Donc, c'est chiant, hein, d'ailleurs, de voir ça. Mais bon, notre Joe, on réagit pas quand c'est ça. Quand c'est trop, c'est trop. Voilà, on se préfère pas réagir. Regarde le public. Là, je te mets un truc, c'est juste pour voir le public. Regarde comment il parle aux anciens. Alors voilà, c'est juste pour qu'on regarde un petit peu quand même comment... La façon de faire, tu vois, on ne voit pas trop les visages. Le but, ce n'est pas de les reconnaître. Après, à part si vous les connaissez, mais voilà, tu vois comment ils crient tout ça. Et tu vas voir qu'il y en a même, c'était des personnes de la famille de nos joueurs. Donc, c'est assez compliqué. Et tu vois, la réaction, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, je trouve. Heureusement, là, je vais te faire un petit point après. Bah, tu vas voir la différence. Hein. De toute façon, je te la mets la différence juste après. Mais enfin, je ne sais pas ce qui... Ça les a chauffés et dégoûtés, je pense. L'impression d'être volé, alors que pas du tout quand on voit vraiment la vidéo d'avant, comment ça s'est vraiment passé. Enfin voilà, c'est un peu écœurant. On voit un peu le public de Salin, alors que derrière, tout le monde n'est pas comme ça. T'en as qui sont venus, ils n'ont rien demandé. Enfin voilà, c'est qu'une question, je sais pas. Voilà. Il faut respecter, en fait, c'est ce que je dis à mes jeunes. C'est-à-dire que je leur dis, tu peux dire, ouais, allez bien, bravo, non, tu vois, enfin, des petits trucs comme ça, ne pas applaudir quand c'est un autre joueur, ou faire des gestes parce que t'es content que t'as vu en NBA, donc tu représentes tes gestes si tu veux, mais pas insulter. Alors ça, si j'en prends un, faire ça, en tout cas de mon club, après les autres clubs, ça c'est leur souci, c'est leur façon de faire, peu importe. Moi je suis pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien, juste vous montrer les choses, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est n'importe quoi ou pas? Moi je veux pas que tu vas le voir, les publics, nous, ils applaudissent, c'est tambour, il y en a des fois, ils sont un petit peu trop mous, hein, d'accord, les anciens, c'est pour ça qu'on dit des fois aux jeunes de se mettre devant pour pas casser les oreilles aux anciens, qu'ils puissent profiter du match aussi également. Mais voilà, en tout cas, je suis content de voir que ceux qui nous encouragent, nous, en tout cas, sont respectueux. Et ils ont intérêt d'être respectueux parce qu'on met bien le point sur ça. Il faut qu'ils continuent. Voilà. Et il ne faut pas se dire, par exemple, que voilà, ce n'est pas parce qu'on voit ça que voilà, ce club-là est comme ça. Non, il y a plein de personnes formidables dans ce club-là avec un cœur en or. Donc, il ne faut pas en faire toute une polémique. Parce que souvent, tu sais, moi, j'ai vu beaucoup de clubs et tu arrives dans un club, ouais, ce club-là, il est comme ça, il y a un match, il y a ça. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Vraiment, ça ne veut rien dire. Juste là, voilà, ça, c'est irrespectueux. Mais bon. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Enfin, moi, je trouve que quand même, c'est des choses irrespectueuses. Et comme vous allez voir à la fin du match, il y a un joueur qui dit, enfin voilà, il y a des personnes de ma famille, je viens juste comprendre, et tu as des jeunes qui sont là, qui m'insultent et tout. Enfin, c'est pas possible. Tu t'imagines? Imagine-toi juste, tu es dans le public. Tu es dans le public, tu as dit à ta maman de venir. Oh, viens, maman. Elle fait la route. T'sais, elle habite pas à côté. Tu as fait 3-4 heures de route. Elle vient te voir. Et tu as...
elle s'est mise du mauvais côté, tu vois, elle est du côté de l'autre public, parce que tu vois, les mamans, les darons, ils savent pas trop des fois. Ils arrivent, boum, et là, t'as des gens qui crient à côté, c'est n'importe quoi, t'entends des insultes et tout, ils t'insultent même toi. Au bout d'un moment, tes parents, ils en ont marre, ils disent, oh, ouais, vous allez arrêter d'insulter, oh, c'est mon fils, machin. Et là, ils se retournent et ils s'en prennent à toi, à ta maman ou ton papa. Mais toi qui regardes la vidéo, ça peut être ton cas. C'est pas parce que tu as vu ça là que tu... Ça peut être toi, ça peut être tes parents, ça peut être ta famille qui est là. Et les supporters s'en prennent comme ça. Alors, bref, juste ça fait peur. Ça fait peur. J'ai été dans des clubs où voilà, je vais, ils sont contents de venir voir l'équipe. Derrière, je joue, ils m'humilient. Enfin, ils font « Ouh, ah, t'es nul, oh, tu vas louper !» Mais c'est... C'est bon enfant, il me charrie, derrière il va dire « Ah Delta, désolé, sérieux, tu joues contre notre équipe, mais on t'aime bien, mais voilà, fallait qu'on te trash talk, fallait... » Voilà, mais c'est bon enfant. Il t'insulte pas, il n'y a pas de truc, enfin voilà, bref. En tout cas, voilà, on repart comme ça, là on repart de plus belle, on essaye de rester dans notre match quand même, de ne pas se faire avoir avec ces trucs-là, ok. On reste focus, en fait, on essaye de rien calculer, parce qu'en fait, c'est pas facile. Jouer que 5 contre 4, je te jure que c'est chiant, c'est nul, t'as même pas envie de jouer en fait. Je te jure, je faisais des passes, on devait faire des passes, trouver la personne seule, c'était un taureau si tu préfères. Donc là, tu le vois. Là, on est là, on sait pas, il y en a deux qui viennent. Là, on a une ouverture de shoot, mais il fallait pas shooter tout le temps, tu vois. Donc là, hop, on lâche, on attend la personne, boum, là, je dégaine un shoot, les 3 points. Par contre, bon, c'est content, voilà. Mais je me fais, prends pas la tête, je suis pas là à faire le malin ou je sais pas quoi. Non, non, on joue, voilà, on joue ce qu'on doit jouer et puis c'est tout. C'est un derby, hein, ça se joue pas vraiment, ça se gagne un peu comme on dit. La faute pour notre 15, très bien, bonne percussion, bonne agressivité. Ici, voilà, là, qu'est-ce que tu remarques là? Voilà, en attaque, je suis tout seul, mais bon, on va chercher quand même quelqu'un. J'ai pas fait exprès pour la passe entre les jambes, mais ça fait stylé. Hein. C'est vrai que ça fait stylé alors qu'il n'a pas fait exprès du tout. Et là, hop, on prend le ballon, boum, il arrive à attaquer fort. C'est ça qui lui permet d'avoir une bonne agressivité et de mettre son panier derrière. Il reste 8 minutes, je crois que j'ai déjà trois fautes, donc c'est un peu la peur, la panique, parce qu'après c'est vite 4 contre 4, donc voilà, là on va chercher à l'opposé, forcément, j'attaque, faute ou pas, on se prend pas la tête, on y va, on lance, on essaye de reprendre leur ballon, et là j'arrive pas, mais voilà. Donc ce qui est bien, se trouve que franchement, vous allez voir les points positifs négatifs, c'est que voilà, il y a beaucoup de... Ah là, c'est un tir bizarre, mais je reprends le rebond, je savais bien qu'il était bizarre, dès que j'ai tiré, je me suis dit, il est bizarre celui-là. Là c'est comme un shoot, hop. Il le voit tout seul, donc là voilà, c'est des petits jeux comme ça, hein, tu vois, enfin, c'était chiant, ça. Franchement, c'était chiant de jouer comme ça. Là, hop, écran, donc là il y a double faute, la faute tête de Ludo parce qu'il accroche avec son bras pour faire le tour, et puis t'as l'autre aussi qui pousse avec son bras, enfin voilà, bref. Là, on fait une passe à notre Joe qui marque derrière. Ici, vous avez vu, ils tiennent quand même, en fait, parce qu'ils arrivent à être à droite, beaucoup au shoot. Donc, franchement, ils ont bien assuré quand même les Salinois sur ça. Et c'est très bien. C'est très, très bien. Voilà, ce qui permet de tenir un peu le score, enfin, en fait, parce que s'ils se renflamment un petit peu plus, là, tu vois que 82-70, il y a vite fait que ce soit compliqué. Là, tu as vu que j'ai fait une faute. La faute, je ne l'ai pas trop compris. Apparemment, c'est parce que mon pied est en dessous le pied de l'autre. Donc, ça, il faut faire attention. Voilà, donc c'est là, je suis à 4 fautes, il reste 5 minutes 50, et puis il n'y a pas beaucoup de points d'écart, quoi. Donc voilà, là, on voulait plus trop rien faire, on avait un peu peur de tout, on défendait même presque plus, on emmenait au grand à notre Dayan, et puis voilà, basta, là, on essaie de jouer le temps, quoi, enfin, voilà, c'était... Il s'y passe, on attaque, là, forcément, t'es tout seul, mais c'est pas le but, c'est leur but, voilà, c'était nous laisser... shooter quoi, c'est sûr. Derrière, heureusement qu'on mettait, on s'est mis en rythme, c'est ce que disait notre Ludo avant, dire les gars, surtout, faut se mettre en rythme, c'est important. Et voilà, c'est important. Là, il y en a un joueur qui se blesse, qui se fait mal, on crampe. Donc là, je viens le voir quand même, je vais voir comment ça se passe, tout ça. Parce que le but, voilà, c'est bonne mentalité. Tu vas voir, hein, franchement, c'est... On fait du basket, nous, c'est la passion, donc peu importe qui c'est sur le terrain, on reste toujours fair play, c'est important, ça, c'est important pour votre mental, c'est important pour tout. Voilà, faut savoir se battre, mais il faut savoir être fair play. Voilà, se battre sportivement, hein, je parle. Et voilà. Donc là, ça va un peu mieux. Voilà. C'est peut-être qu'il y a... Ils jouent peut-être moins d'habitude aussi, donc les crampes arrivent plus facilement. La faute, ils comprennent pas, mais là, c'était un peu du taekwondo. Il y a eu faute, on arrive à avoir nos lancers francs derrière, donc ça, c'est très plaisant. Ici, ah, il se fait mal, donc là, très fair play aussi. Gars, il dit, ah, je sais pas ce qu'il raconte, mais voilà, il l'aide. Donc c'est des joueurs qui se connaissent depuis longtemps, tu vois. Même s'ils se font des coups, mais laisse tomber, mais voilà. On vient l'aider quand même, voilà. Il y a 4 minutes, il laisse tomber. Ici, on lâche à l'opposé. Hop, il était bon, Kevin. 3 points. Là, c'est bien. Donc là, hop, faute quand même. Ouais, petite faute quand même. Bon, voilà.
Là, hop, hop, je vais me prendre un coup dans l'arcade, là, ça m'aurait calmé 5 minutes, coco. Là, j'étais content quand même parce que, sincèrement, vu ce qui s'est passé, hein, d'accord, autant te dire que vu, en plus, la réaction de certains qui étaient un petit peu, enfin, comme tu l'as vu, tu remarques quoi? Tu remarques que, en fait, il y a quelques temps, tu vois des joueurs qui se battent, qui s'étranglent et tout ça. Puis en fait, tu vois après, bah, dans le vestiaire, tu as des, quand même, bah, voilà, un Salinois qui revient et puis, en fait, qui vient avec nous, quoi, par cette bonne ambiance, tu vois. Alors qu'il y a quelques temps, il y avait bagarre générale. Et tu vois, en fait, un des joueurs comme ça qui revient, alors que, enfin, voilà. Voilà, déjà en plus qu'étranglé Joe. Et puis derrière, enfin moi je comprends pas trop, je sais pas. Merci Panther, voilà. Dès qu'à la fin, ils vous supportaient. Non, non, ils ont insulté tout, c'est pas bien. Ouais, c'est pour ça. Ils insultaient les petits gamins, moi à la fin, je suis allé voir ma famille. Ah, les gars, ils commencent à m'embrouiller à venir vers moi. Je comprends pas trop, après c'est bien, hein, tu sais, pour te dire que voilà, c'est sportif, sur le terrain, tu te bats à fond, et voilà. Mais il y en a, ouais, je sais pas. Comme j'écoute hein, les anciens qui me disent au club, oui, il y en a sur le terrain de cette équipe ou de cette équipe, ouais, c'est n'importe quoi. Mais en dehors, ça va. Ils me font rire, ils me font rire. En tout cas, voilà. Juste pour, je voulais te montrer cette image, que c'est assez fou quand même. Il y a bagarre générale, bam, bam, bam. Les gens s'étranglent de partout. Et puis après, t'as tout simplement, voilà, ils boivent un coup ensemble. Voilà. Ah là là. Vraiment, quand vous êtes sur le côté, par encourager, ok, ou alors essayer d'un peu déstabiliser si vous le voulez, mais toujours dans le respect. Il y en a qui sont là, qui n'ont rien demandé, vraiment. Et il ne faut pas non plus catégoriser chaque individu dans des clubs, parce que heureusement, il reste quand même des personnes avec un cœur vraiment énorme, hein, et qui se donnent, qui sont passionnés. Tu as même des parents, nous, en fait, de Poligny, qui sont plus à Poligny et qui sont du coup à Salins parce qu'ils ont leurs fils qui sont à Salins, tout ça, et qui aident à Salins et qui aident aussi encore un peu à Poligny et ainsi de suite et qui reçoit des insultes quand même des personnes du club adverse qui reçoit des insultes alors que c'est des personnes qui donnent de leur temps, qui aident. Enfin, c'est juste pas possible, quoi. Tous nos dirigeants, nos bénévoles et autres sont... Bah, ils viennent aider pour la même passion, parce que c'est ce qui nous fait vibrer et ce qu'on aime. Donc, ça mérite pas ça. Voilà. Après, comme tu vois, hein, nous, t'as des joueurs qui sont anciens, qui se parlent encore. Donc, il n'y a pas de truc. Personne s'en veut vraiment, en fait. Tu vois même à la fin du match, là, on voyait dans le vestiaire, mais t'as d'autres joueurs qui se parlaient ensemble. Il y a des gars de Salins qui sont restés longtemps après. Il n'y a pas eu d'altercation, de trucs chelous en dehors, machin, non. C'est juste l'instant T, l'effet de groupe. T'en as qui sont venus aider, machin, qui sont venus enlever. T'en as qui ont porté des coups au sein même du truc. Donc, voilà, c'est un peu n'importe quoi, mais voilà, c'est pas non plus un truc de ouf. C'est juste embêtant quand même pour mes loulous qui viennent me voir. C'est juste un peu embêtant parce que mes petits loulous qui viennent me voir et je leur dis venez au basket, ça va être cool. Ah bah, il y a un match, l'autre il se fait une fracture. Deuxième match, l'autre il arrive, c'est bagarre générale, les pauvres. Enfin bref. Donc voilà, c'est des moments à passer. Nous, on trace notre chemin. C'est en route pour gagner les prochains matchs ou les perdre, on ne sait pas, mais pour se donner à fond parce qu'on se rapproche de plus en plus de l'objectif de la NM. En tout cas, dites-nous bien dans les commentaires vous ce que vous pensez de ce que vous avez vu. Ok, est-ce que vous avez déjà vécu quelque chose de comme ça dans votre club? Et n'hésitez pas à échanger du moment que c'est pour aller de l'avant tous ensemble. C'est toujours cool. On remarque quoi dans les points positifs et négatifs quand même? C'est que bon, on maintient bien le score, tout ça. En positif, bah, c'est quand même, on n'hésite pas d'attaquer. Hein. Même dans ma part, j'hésite pas d'attaquer dans ces moments ou même où ça défend dur, il y a les bras. De toute façon, c'est un derby, donc tous ces trucs-là, des fois, tu siffles pas ces fautes-là. Voilà, donc ça, c'est cool d'avoir attaqué, hein, comme on l'avait dit dans la préparation. Derrière ça, négatif, bah, c'est que j'ai laissé des fois aussi des shoots ouverts. J'ai laissé trop ouverts et ce qui a fait qu'ils mettaient dedans, quoi. Ils étaient trop ouverts, donc j'aurais dû peut-être plus coller. Alors, je te parle dans le début, hein, parce qu'après, forcément, j'avais trop de fautes et il fallait pas que je fasse de fautes, donc ça, c'était autre chose. Mais voilà, ça c'est des points à corriger, se remettre en question quand même. Et puis voilà, ce qui est bien, c'est que
Voilà, après négatif, bah, c'est que la joie à 5 contre 4, donc nos matchs, quoi, c'est relou, c'est match relou pour tout le monde. Pour tout le monde, soit bien nous l'attaquant, et soit bien la défense, parce qu'en fait, tu joues pas comme avant, tu joues pas pareil, tu joues pas pareil. Voilà, tu joues pas pareil, mais voilà. En tout cas, c'est un bon match, c'est gagné, en fait, peu importe, dans tous les cas, c'est gagné, ça, ça fait plaisir. Voilà, j'aime quand même nos amis salinois, quand même, il y en a quand même qui sont au sein de ce club-là que j'aime bien, des parents, des dirigeants qui sont énormes, je les kiffe quand même, donc voilà. Famille, c'était Delta Lloyd, et le prochain vlog, bah, ah oui, on n'a pas encore match ce week-end, parce que je sais pas pourquoi, et puis après, on a un match, mais contre la Grêle, il me semble que c'est ça. Voilà, c'est la Grêle, donc ça, c'est cool. Petit village, tranquillou. J'espère que ça sera bien, qu'il y aura du beau basket. D'ailleurs, un autre club qui a vécu aussi un drame il n'y a pas si longtemps. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés, mais un gros soutien à eux et courage pour ce club en tout cas. Derrière ça, je suis bien content quand même d'avoir pu faire ce vlog et de filmer mes matchs. Parce que sans ça, quand je regarde les réseaux sociaux, j'ai l'impression que c'est notre faute. Et forcément, quand tu vois ce genre d'article, t'as l'impression que notre soirée était finie, alors que pas du tout. Mais en tout cas, en étant coach des mini-basket jusqu'à la catégorie U17, je me tiendrai de bien prévenir chaque enfant de la situation qu'il a eue, de les alerter et de leur réexpliquer encore l'importance du respect dans le sport. Voilà, il me semble que ce soit important sans montrer du doigt quoi que ce soit. Je sais pas si ça se dit, mais c'est important pour que nos enfants évoluent dans de bonnes conditions. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build.